Bonjour à tous et bienvenue sur L'Actu, la chaîne de l'actualité People et Télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Michael Schumacher, le pilote des années 2000, il était le plus grand champion de Formule 1 de tous les temps et a failli avoir un record battu par Hamilton. Mais depuis son accident de ski en 2013, il n'a pas montré signe de vie et semble être complètement victime de son état de santé. De là à imaginer qu'il puisse rendre prochainement un événement les plus importants de sa vie, il n'y a qu'un pas. En effet, une rumeur circule du fait que sa fille Gina va se marier l'été prochain et si on en croit les informations, son père pourrait être bien de la partie. Mais d'après leur quotidien, il pourrait aller jusqu'en Espagne, à Majorque, où la cérémonie devrait avoir lieu. Mais c'est là-bas que la famille de l'ancien pilote de Scuderia Ferrari a un luxe manoir qui appartient auparavant à Florentino Pérez. Une villa spécialement équipée pour l'occasion. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.